Où cohabitent la modernité la plus efficace et la tradition la plus séculaire, sont parfois insondables. Ainsi, l'histoire d'Alex, Ted et Laura est marquée au sceau de l'horreur. La maison des spectres. Confortablement logé grâce à Alex, officiel américain, dans une magnifique demeure traditionnelle sur les hauteurs de Tokyo, Ted et Laura ne savent pas que leur toit fut le théâtre, il y a plus d'un siècle, d'un affreux carnage. Non, excuse-moi, j'avais cru entendre quelqu'un. Je tenais à vous parler tout de suite, pour vous mettre en garde contre cette maison dont je connais bien la triste histoire. Elle est maudite. Elle essaiera de vous détruire. Soyez vigilants. Dans le Japon des shoguns, un samouraï trompé par son épouse peut se venger instantanément sur le couple adultérin. Mais il doit ensuite se faire seppuku, se suicider. Alex, viendras-tu bientôt nous voir? C'est normal, cette maison n'a pas été habitée depuis longtemps. Aujourd'hui, on va aérer et ça ira. Non, je ne crois pas que cela suffira. Il faudra du temps. Ted, viens, vite! Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce qui t'est arrivé? De mieux connaître cette maison, de comprendre son mystère. Les Gaki savent déjà que vous m'avez parlé. Leur vengeance sera terrible, méfiez-vous. Quittez cette maison. Venez! En 1987, les fantômes de ce triangle de l'horreur veillent à ce que la malédiction se perpétue. Vous ne devez plus vous inquiéter. Je vais vous aider. La maison des spectres. Oh my God,